Bonjour, bonsoir la famille, bienvenue tout le monde. Nous sommes TAC 509, tout haïtien connecté ou dans l'émission parlant mon éditorial. C'est toujours un plaisir pour nous rejoindre nous, pour nous parler pays, pour nous faire débat sous différents faits qui dominent l'actualité. Déjà, je s'était annoncé jeudi, c'est lundi des bilans négatifs. Côté d'une part, je vais présenter tout ça qui vient pour avec opposition politique là dans la première émission. Parler de comportement, yo, parler de action, yo, qui par exemple contribuent à aider pays, mais plutôt, qui participent dans le ralentissement économique, dans créer instabilité politique, et qui c'est un facteur insécurité en dedans pays. En insécurité sans pareil, qui a fait rage, qui a terrorisé la population. Nous pas d'abjom qui a rentré dans un contexte, côté que nous avons considéré opposition politique là, pour nous bail bilan yo, et pour nous tablier pouvoir public là. C'est dans le contexte ça, une fois que émission sous opposition politique là, par rapport avec bilan négatif là, fin fait, nous prenons joindre dans un second temps, les bilans négatifs du pouvoir en place du pouvoir public. C'est tout à fait équilibré, en toute objectivité, n'a dit ça doit dire, j'en dois dire là, j'en travaille là, supposé fait là. C'est pas un bilan négatif qui pral vin rentrer dans un contexte pour détruire l'autre, mais plutôt pral permettre de comprendre l'influence avec en prise différents secteurs gain dans pays par rapport avec pouvoir public là, par rapport avec envie au gain pour gouverner et envie au gain tout pour prendre pouvoir là, pour kembe pouvoir là pour même seul. Donc à tout prix, gain des bagages qu'a fait ou supposé qu'on est, gain le négatif qui là ou supposé qu'on est de quoi il en est. Rale tiches ba ou chita, nous pral parler, nous pral faire débat. Dernière micro-présentation, c'est toujours même Yannick, la même voix. On y est, pas changé. Déjà là, on a commencé à l'hypothèse qui fait quoi que l'opposition politique en Haïti, c'est tout ça qui est pour avec contestation, violence, déchoucaille, tout ça qui est pour avec soulèvement de manière antidémocratique, de manière révolutionnaire qui a créé instabilité, qui a créé des zones. C'est ça l'idéologie. De pouvoir parler de l'opposition politique de manière négative, c'est seulement ça qui fait référence, c'est seulement ça qui a nous comme perception. Et réalité en sous béton, li prouvel. Majorité action qui posait, c'est des actions qui allaient à l'encontre de la démocratie. Sans écarter toute possibilité, bien sûr, qui gagne, pour même opposition ça, pour participer, n'a posé quelques actions, pour forcer le pouvoir public à réagir, pour forcer à agir. Maintenant, premier, ça n'a pas considéré comme point négatif de l'opposition politique là. C'est ça, qui gagne pour avec violation de droits économiques, violation de droits sociaux, population haïtienne. Parce que si pouvoir public là, li là pour garantir droit avec liberté chaque haïtien, opposition politique là, n'en façon pas lui violer constamment. Et surtout, dans chaque situation, côté au décide de faire des manifestations violentes pour exiger des pas régime PHTK dans tel pays. À l'aide de plusieurs exemples, bral prend là, nous pral comprendre l'impact négatif opposition radicale nan gen sou pays. C'est ouvert au public ou même qui a regardé vidéo là qui connaît des impacts négatifs que opposition politique l'en fait sous pays, libre à vous intervenir, écrit en commentaire, dit et puis n'a réagi après. Maintenant là, gen 5 principaux violations que opposition politique l'en fait sous population haïtienne, non sous peuple haïtien, à chaque fois on mettait en chef de file de tout désordre, de tout boule caoutchouc, fait des choux écrasés brisés en dedans pays. À chaque initiative qui prend pour faire des manifestations populaires, c'est des manifestations qui toujours violentes, des manifestations qui toujours finies en queue de poisson, au côté que c'est boule caoutchouc, boule machine, faire des blousins, faire des choux écrasés brisés, sans que le pouvoir public là pas réagir pour réprimer. Et bien maintenant, première violation, yo violé droit à l'éducation moun, yo violé droit à la santé, yo violé liberté gain pour circuler, yo violé droit à l'alimentation et yo violé droit gain à environnement sain. Ou pral comprendre. Tout d'abord, tout moun gen droit pour joindre bon jan éducation dedans pays, indépendamment de volonté autorité pour garantir ou pas. Si autorité l'État n'a pas choisi pour mettre en libre accès à l'éducation pour tout le monde, ça c'est eux-mêmes. Maintenant, si nous avons remonté en 2018, qui c'est grande première opposition radicale là,
par rapport avec violence yon instauré en dedans pays, par rapport avec rage yon gen contre régime PHTK, nous wè on premier série pays lok. Après nous pral pour une deuxième série pays lok, mais premier série pays lok, c'est plus passé 3 semaines que opposition privé un groupe élève, li privé étudiant, li privé ti machin, non, secteur privé enfermé, li yo fermé un pays. Yo ferme pays an sous prétexte de revendication collectif y a mené pour majorité population pour tout peuple que gouvernement pas bon yo supposé bay solution yo supposé joindre solution faut régime aller etc. Mais maintenant sou doit défendre peuple nous déjà pas ka gen accès à une bonne éducation dedans pays an. Est-ce que l'illégal est-ce que l'illégitime notre démarche noire pour nous bloquer pays hein pendant plus passé 3 semaines ti moun pa ka l'école moun pa ka sorti al vaque avec activité ou pa ka chercher manger maintenant bolio alors que pa gen moun ka mette pou nan bolio et le pire dans tout ça des moun ki prétend y a défendre intérêt collectif mando kote petit yo et petit yo pa Haïti mando kote madame yo et madame yo pa Haïti mando kote proche yo pa Haïti. Yo ferme l'école ti moun pa yo ap pran bon jan éducation nan pays étranger. Se yon nan problème kap krasé pays an jounen jodi avec revendication opposition. Si nou bezwen faire revendication ki juste, faire revendication sur tous les fronts. Ou pa ka mande bon condition la vie et puis tout côté ou même ou décider al faire la vie bon, c'est ailleurs, c'est à l'extérieur. Jodi an lutte opposition politique le choisi menen li pa proportionnel avec misère population li pa proportionnel avec sa peuple an vivant dedans pays an. Maintenant si n'ap considérer choix politique choix stratégique tactique opposition employé ou même pour yo rallier population avec yo n'ap toujours comprendre stratégie opposition utilisé an li paraît favorable pour yo. Et yon toujours make sure que nan leur choisi stratégien, yon jenon quantité moun ralye avec cousin. Sous prétexte que yon fait des propagandes et propagandes là li touche population. Li touche moun yon par rapport avec nécessité qui gagne un moment pour moun yon revendiquer, pour moun yon rebeller. Mais vraiment, si n'ap considéré, est-ce que jodi an le fait pour yon opposition qui fait des incitations à la violence, est-ce que ça contribue nan bien-être collectif là? Non. Inciter moun yon à faire des choukas, est-ce que ça contribue nan avancement pays? Non. Sur le plan économique, je dis, on le tagon pays qui a pas avancé, un pays qui est bralé vers le développement, tout ça nous joint, tout ça qui gagne sur le plan économique, c'est régression. C'est régression parce que pas qu'a gagné investissement et à chaque situation de manifestation, côté que pays en bloqué, grève, pays en bloqué, l'argent pas circulé, qui ça gagne, pays en régressé tout. Économiquement, machin n'a pas qu'à venir avec produit pour le vendre, pour l'entrée comme pour l'argent circulé. C'est régressement. Et opposition politique là ou pas jamais vraiment pensé avec situation ça yo. L'on décide de bloquer pays pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Nous quand ça crive, moun ki ti machin yo ki te gen produit des produits périssables. Le sorti en dehors, pas arrivé vraiment dans capitale là avec produit yo. Yo perdu toute marchandise ça yo. Son déficit total et d'ailleurs pas gen moun ki pral faire des prêts. Alors que vous te prétendez ou bataille pour yo, ou bataille pour défendre intérêt yo, ou bataille pour mettre manger dans bol yo, tout ça fait c'est léser intérêt yo, c'est léser ça yo gen ou faire au plus mal qu'au faire au bien je dis. Son droit constitutionnel qui gagne pour moun manifester, son liberté, son garantie nous gagne pour nous réunir nous en association pour nous revendiquer. Mais revendication li pa ka aller à l'encontre de constitution, li pa ka aller à l'encontre des valeurs démocratiques, li pa ka aller à l'encontre de sa la loi dit. Nous pa ka contenter nous seulement n'a violer l'ordre social, n'a violer l'ordre public. Ou c'est leader de l'opposition, rele tête ou leader, sans que ou pas même prenne sens, ça veut dire, ou ap incite moun écrasé, brisé, détruit bien public, détruit bien privé, alors qu'au douce avocat, par exemple, le fameux maître André Michel, il sait très bien de quoi il en est. Incite moun al fait des choukas, écrasé, brisé, écrasé bien public, détruit bien privé moun, son infraction même genre, toute infraction liée. Moi même t'es toujours attendu moi à ce que autorité compétente t'es réagi pour faire ce que le droit par rapport avec toute incitation à la violence que des soi-disant leaders de l'opposition toujours prônent à chaque manifestation, à chaque revendication populaire qui prend le gain. Mais rien n'est jamais fait pour une raison ou pour une autre, pour éviter, on dit peut-être c'est pour pas, et c'est persécution politique. Pour éviter ou dit c'est abus, c'est injustice qu'a fait, bon recul par rapport avec pouvoir public là.
Et c'est inaction ça par bon côté gouvernement qui toujours la cause qui renforce pouvoir nèg dans opposition par rapport avec quantité de dégâts fait en dedans pays. Yo pensé yo gen immunité pour yo faire ça yo vle craser briser gens vle sans que pas gen moun qui a dit yo. Alors que je dis en même yo même encore yo toujours fait et a prend micro la presse a décrier pour et pouvoir public là par rapport avec bandi cap terroriser population. Mais yo même tu yo pas jamais rendre yo compte, yo pas conscient de quantité terreur yo fait peuple en subi par rapport avec manifestation violente yo yo décidé faire par rapport le ap di jeunesse campé des barricades barricades c'est avenir quand c'était moun yo la cause qui mouri qui pas gagne joine soin santé parce que route là t'est bloqué moun yo pas jam ka aller parce que le plus souvent moun qui campé des barricades yo aussi violent qu'on bandit gen zam dans la rue cap terroriser population c'est du même au pareil. M'vle attirer attention nous là son fait qui extrêmement important. Et c'est pas sans raison nous pral comprendre pour qui ça opposition te choisi utiliser concept pays loc là. Et d'ailleurs là dit pays loc ou est son pays qui ferme son pays côté rien pas circuler, pas gain vraiment activité. Et c'est pas sans raison parce que à deux reprises pays loc là fait c'est deux situations qui mettaient pays en régression, d'un point de vue politique et stabilité en vient renforcer et d'un point de vue économique tout ça nous c'est régression 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 maintenant. Si gen moun ki utilise konsèp peyi lòk la kom yon mwayen de rezistans antisistemik kont yon rejim e PHTK yon rejim tèt kale, men li gen sens ki pi profon. Parce que de 2018 an 2021 la, se 3 an komple, se 3 an komple de blokaj, et ceci an tous les niveaux. Lò gen plus passe 3 an la, wap destabilizon peyi. Mpa même parler de pouvoir exécutif ni de gouvernement. Parce que dirigeants yon allé et les véritables victimes des actes de l'opposition, c'est peuple à payer. C'est peuple à nous priver de droits ou de liberté. Yo, et c'est payer qui subit dommages. Parce que l'on boule les machines service de l'État, ou pas boule les machines ni président Jovenel, ou pas boule les machines premier ministre, ou pas boule les machines secrétaire d'État, etc. Ou boule l'argent payant, ou boule l'argent et taxes, impôts malheureux à payer. Parce que les bourgeois de ce pays, moun qui gen l'argent, moun qui nan oligarchie, depuis qu'il a contribué à payer taxes et impôts comme ça, moun sa c'est privilège à jouer en dedans pays. La grande majorité, c'est privilège à jouer. Maintenant, décider. Voyez moun al krasé brisé. C'est responsabilité en tant que opposition politique. C'est pas parce que pouvoir public n'a pas jamais réagi contre nous pour nous prétendre que nous avons liberté pour nous faire ça nous voulons, nous voulons. Jodi en fait nous admettre que nous contribuons largement à l'échec payant. Parce que nous prenons échec à travers l'action nous. À travers ça nous intenter pour nous jeter régime, pour nous chavirer système. Et qui système? Son système que nous contribuons grandement là-dedans. Payan pa gen rien pou loue avec échec nous. Payan pa gen rien pou loue avec mauvais choix politique n'a fait. Avec décision, avec accord, n'a pris une ou l'autre pour nous peser sous pour nous tirer des avantages politiques. Jodi an la, le fait que nous avons opposition politique qui pas soudée, qui pas formée entre eux même, qui pas gon structure, qui pas gon hiérarchie là-dedans, c'est pas faute payan. C'est pas payan pour payer pour casser yo. C'est pas l'administration publique là qui pourra subir mauvais choix nous en dedans structure politique nous relé tête nous opposition. Gardez journée aujourd'hui là. À chaque manifestation violente nous fait à chaque décision nous prend pour nous mettre monde dans la rue, c'est craser briser. Nous bouler immigration, nous bouler DGI, nous bouler ONI, nous fait ceci, nous fait cela. Mais bon, dis-nous sérieusement. Sérieusement, c'est parce que moun ki ap suiv nou jwenn jodi an, des fois moun yo pa réfléchi. Parce que moun sa yo ki décide yo même tout yo contribuer nan mete difè dans nan krasé, nan brisé, nan vandalisé. Yo pa réfléchi ou même jwenn jodi an, le nou mete difè nan immigration par exemple. Le nou bezwen fè passeport nou, n ap rele directeur général lan, n ap rele adjoint, nou gen moun nan dans chaque boîte l'état, n ap rele n ap kontakte yo pou ba nou service. Alors que peuple yo même moun k ap suiv nou manifestation yeux fermés tête baissée, le ou bezwen service yo gen pou yo passer dès ta boucané non soleil parce que
yo pas réfléchi avant. Et ben jounen jodi an, nou gen opposition politique qui déstructuré, qui dénaturé, qui profite de ignorance en majorité dans population, qui profite de manque de clairvoyance peuple. Et puis s'attendez là, y a mené moun yo l'abattoir, y a mené moun yo à faire des ordres, à participer dans classe brisée, aller à renverser pouvoir et puis n'a pas la vie meilleure. Alors que quelque part, c'est même yo même qui a profité de la dégradation de la vie et citoyens de dans pays. C'est eux même qui a profité de régressement pays. Est-ce que je dis, opposition politique là vraiment, il pas gain responsabilité? Monsieur a gain responsabilité yo. Monsieur a gain responsabilité yo dans ça qu'a fait en dedans pays. Kounya, est-ce que je dis, ou pral mandem pour m'accepter que toute brigade qu'a fait sous dans pays sous commande opposition? Est-ce que au juste? Est-ce que au juste sont un prétexte de revendication? Est-ce que au juste sont un prétexte de renversement pour rétablir l'ordre politique, pour rétablir l'ordre constitutionnel, pour faire respecter la loi? Mais non, m'pa jamais admettre avec nous parce que même gens jodi an la yo estime que pouvoir public en fait pays en mal, opposition en fait pays en mal tout. Et le pire dans tout ça, en opposition politique t'a supposé tellement fort pour la baille et pouvoir public la panique de manière positive pour inciter au fait ça bon sinon y a renverser aussi sinon y a prendre pouvoir de manière légale yo pas en mesure pour faire yo pas non seulement yo pas dialoguer yo pas participer dans élection tout ça qui intéresse opposition journée aujourd'hui c'est transition. Est-ce que nous ca bâti un pays sous transition? Nous pas ca faire ça. Jodi an la, nou pa ka chwazi réduire évolution politique nou an pays sous sa opposition politique la décidé. En Haïti là actuellement, dès pou di opposition politique, ou est en forme de blocage. Pays en bloqué parce que yo pa gon plan de restructuration, yo pa gon idéologie qui pral aider pays en sorti nan sa li an la, OK? Nous dit que ça ka passé dans pouvoir public là, le pas bon. Mais nous même vinn avec un plan. Vin avec un plan de développement, vin avec des projets qui caillent les pays. Nous pas jamais faire. Nous pas gagner. Nous pas besoin de tendre le nous dans pouvoir pour nous faire quoi que ce soit. Agir. Et c'est la population qui prend le intérêt pour une opposition politique en dedans pays. Parce que tout ça, je vous dis, nous baille comme preuve, nous baille comme perception de nous-mêmes. C'est manifestation violente, c'est désordre, c'est bamboche démocratique. Ah oui! Bamboche démocratique là n'est aussi important que tout l'autre concept nous tout l'autre point m'était qu'à considérer parce que démocratie journée aujourd'hui là opposition considère elle comme ça ba au droit pour revendiquer de manière violente pour faire manifestation violente pour inviter mon inciter mon à la violence pour faire des choukay etc. Des choukay sous prétexte mais qui prétexte opposition prend pour faire des choukay. C'est comme si je dis à la dans pays à tout monde qui gon un business ou même qui dans classe moyenne ou décide ou conscient ba dans pays on sont entrepreneur jeune entrepreneur bataille longtemps c'est comme si tout soit gagné c'est pouvoir public qui investit là-dedans. Aussitôt que moun yo prend la rue tant que des enragés c'est ou même yo vinn violenter alors que yo connaît très bien si yo besoin à porter revendication qui côté pour yo aller. Je dis à la part de responsabilité opposition, dit aussi fort que n'importe l'autre monde qui t'a décidé yon même qui est vagabond à craser un bien ou qui quitte yon fait sans yon pas réagir. Un exemple qui simple. Moun yon vle faire quoi yon vle faire comprendre que je dis à la moun qui a crasé, qui a vandalisé bien moun nan, c'est par rapport avec ça li même li pas joine. C'est ma particulière qui doué citoyen en service. Service c'est l'État qui doué ba yon. C'est institution étatique qui doit ba yo, c'est dirigeant qui doit porter service yo rive joine population. Jodi an c'est parce que moi même gon entreprise de l'eau qui fait manifester ou supposé craser parce que ou pas joine de l'eau pas arriver la car ou de l'eau pas arriver dans communauté ou là. Moi même pas droit de l'eau. Pas droit de l'eau de manière publique, ça qui arrive me porter en contribution mais pas prétendre que mon droit légitime pour boire de l'eau. De l'eau publique là c'est dîner pas ba li. M'pa ka gon dépôt du riz, ou manifester, ou vin vandaliser, ou prend du riz, ou prend propre, ou maimoulé, ou aller. M'pa dro manger, m'pa gen kit alimentaire, ma baye. Ça, c'est investissement privé, ou supposé respecter, l'État supposé garantir. Donc, jodi, ou fè des choukay, ou n'a vandalisé, opposition mette dans la rue, n'a gargote, n'a fait violence, et puis pa gen moun ki pral di nou rien. Et même après toute quantité de violence qui fait en dedans pays, nous pas besoin de monde venir porter monde ça au secours. Des monde qui perdent tout ça ont gagné des années de vie,
des années côté moun yo a serré l'argent a collecter pour réaliser un bagage et puis on clin d'œil en clin d'œil yo perdu tout ça ou gagné. Eh bien, je dis là, faut que nous admettre que ni banditisme, ni violence, ni délinquance et gang yon a fait, li proportionnel avec sa nèg opposition a fait tout, avec sa nèg opposition a incité population à le faire tout, parce que c'est du même ou pareil. Qui dit violence, qui dit délinquance, qui dit vol, qui dit banditisme, li égal. C'est pas parce que moun nan choisi cacher des statut d'opposition politique, li choisi cacher des statut d'homme d'état ancien parlementaire qui rend ni influent dedans pays pour nous peur. L'on pose une action qui contraire à ça la loi dit, li contraire à ça la loi dit, s'il mérite prendre code, fòk yo kabal code. C'est comme ça pour l'état agir pour rendre moun nan rete nan limite li. Jodi an la nou gen des séries de moun, des séries de garçons, des séries de femmes dans opposition politique là qui blie limite yo par rapport avec pouvoir l'état. Qui blie limite yo par rapport avec loi qui gen dedans l'état, qui interdit ou fait, qui permet tout faire. Jodi a tout ça qui gen dedans l'état, c'est permission lié pour nèg opposition. C'est permission pas gen loi de restriction parce que aussi clairement, yo a fait des incitations à la violence, aussi clairement, yo a encouragé moun yo mettre du feu, vandaliser et puis nous wè autorité l'état au croisé bras gade yo. Jounen jodi an la, mande est-ce que c'est population seulement qui courbe en bas section la loi? Est-ce que c'est population seulement qui ka réprimer? Est-ce que moun qui dans opposition politique yo intouchable? Qui ça qu'a passé en dedans pays par rapport avec opposition politique là? Jodi an la faut que nous admettre que nous avons opposition politique qui déstabilisateur, li pas là pour construire quoi que ce soit. Li pas là pour aider population avancer. Tout ça le participer c'est dans régression paysan, régression économique, régression sociale et d'ailleurs l'on en pays côté que pas ka joindre ou pas ka joindre service par rapport avec pouvoir public là. Ou pas ka joindre service par rapport avec ça. Autorité ça diriger ou te ka offrir population de manière concrète. Koun ya ti sorte gen pour écraser, écraser les vandaliser, vandaliser. Donc ou vin gen deux fois plus problème. Ou vin gen deux fois plus problème. Maintenant, si opposition politique là, li aussi flagrant par rapport avec action à poser dans déstabiliser pays, hein, mais pouvoir public là tout, li gen rôle pal. Pouvoir public là tout, inaction le dit en pile bagaille. Maintenant, c'est qui bilan négatif nous capoter pour pouvoir public là qui peut-être pral contrebalancer et bilan négatif opposition politique là gagnant dedans pays là. Là où s'attendait tout bilan négatif opposition politique là par rapport avec quantité instabilité, par rapport avec quantité désordre, par rapport avec incitation à faire en population pour craser, briser, vandaliser bien public, bien privé en dedans pays. Maintenant, c'est pas seul opposition politique là qui fait pays, c'est pas seul lui-même qui fait politique en dedans pays. Donc pita là par rapport à émission, pral tande tout ça qui gagne pour avec pouvoir public là. Nan bilan négatif yo gagné pendant toute dernière année sa yo en dedans pays. Donc parantèl gen bagay pou tande et c'est sûr ou pral apprendre. C'est un exercice tout à fait intéressant qui pral permettre ou balancer le pour et le contre et ou même tout pral en mesure pour apprendre davantage. C'est une émission pour pas rater déjà m'attend tout monde en principe là li pas changer partager vidéo a. Quittez un commentaire, quittez un like. Des micro-présentations, c'est toujours même Yannick, la même voix. On n'est pas changé, merci tout le monde. À très bientôt.